Harry Wheeler, l'entraîneur de Bury Sutton, s'est fait licencier par le propriétaire du club de football à 5 minutes de la fin du match qu'il opposait à Chippenhampton samedi, rapporte Essex Live. Il semblerait que le millionnaire Glenn Tomlin n'ait pas réussi à attendre la fin du match, durant lequel son équipe essuyait sa première défaite de la saison de la National League South, pour exprimer son mécontentement. C'est par SMS qu'il a signifié au coach qu'il était congédié. Une triste nouvelle pour Harry Wheeler qui avait eu jusqu'ici un parcours exemplaire avec une seule défaite, 2-0, en 28 matchs. Il avait même permis au club de Bury d'accéder à la 6e division. L'entraîneur en chef Tristan Lewis, recruté au cours de l'été, prendra en charge le match à domicile de ce lundi contre l'ancien club d'Harry Wheeler, Saint Albans City, rapporte le média local.